Wesh les gars, c'est Nairo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va impeccable les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui les gars, tu l'as vu à la miniature, tu l'as vu au titre. Career Manager avec l'Olympique de Marseille. Mon club de cœur les gars, je suis Marseille. Bon, je sais pas pourquoi je touche le blason. Peut-être que ça rappelle une finale le 26 mai 1993. Si vous voyez ça dans le calendrier du Paris Saint-Germain à l'époque, prévenez-moi dans l'espace commentaire. Non les gars, je vois venir, pas les gars, soyez majeurs dans l'espace commentaire. Commencez pas à regarder la vidéo parce que c'est une carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Ou dislike parce que c'est l'Olympique de Marseille. Les gars, je suis supporter marseillais, je regarde des vidéos de PFUT, je regarde des vidéos de Parisiens. Je regarde même des vidéos d'un mec qui habite à Brest, Viken, voilà. Tout simplement les amis, carrière manager avec l'Olympique de Marseille, je pense que ça va être cool. Il y a un vrai challenge à faire, voilà, pourquoi pas se qualifier pour la Ligue des Champions. 11 millions de budget de transfert, vous voyez les attentes du ça. Bon, vous avez déjà vu les vidéos, je pense, sur YouTube. Pas besoin que je vous les rappelle. Donc là, on peut choisir son personnage. Tu l'as vu, tu le sais, nouvelle nouveauté. Du moins, le carré, moi, je vais le mettre en costume, pas chemise. Tu vois, le mec est frais en chemise. On va le mettre en chemise, tac. Le nom, on va l'appeler Nairose. Voilà, rien de plus simple. Voilà, on l'a mis français, champion. Pour l'instant, les gars, je me mettrai en champion. Si je vois que c'est facile, je mettrai en légende tout simplement. 4 minutes, téléchargée plus récente évidemment. Compétition européenne, je le fais juste pour ça. Voilà, je le fais juste pour le kiff. De toute façon, ça fait maintenant 3 ans qu'on n'est plus en Coupe de. Non, ça fait. Non, mais ça fait 3 ans qu'on n'est plus en Ligue des Champions. Donc, frère, je crois même que ça fait plus. Au fait, les gars, aussi, je voulais vous dire. L'eau est importante de boire. Je voulais vous dire, les gars, un petit truc aussi concernant la carrière avec Alex Hunter. Je pense que je vais la mettre un peu en stand-by. Pour la simple et bonne raison que tous les youtubeurs font la carrière avec Hunter. Tous les youtubeurs font une carrière avec Alex Hunter, peut-être dans des clubs différents, mais les gars, un peu d'originalité, bordel. Tout le monde le fait. Et moi, franchement, c'est pas mon kiff de faire quelque chose que tout le monde fait. Voilà, même si avant, voilà, je faisais des drafts et tout. Ça, c'était avant. Vous pouvez voir que j'ai supprimé les vidéos de ma chaîne en plus. J'ai pas envie de. Voilà, tout le monde fait la carrière avec Hunter. En plus, je trouve que c'est personnel en plus. Tu vois, c'est un truc que tu fais toi. Donc voilà, moi je vais continuer ma carrière de mon côté. Si vous voulez voir les avancées de la carrière, n'hésitez pas à venir, les gars, sur mon Twitter. Voilà, je mettrai des photos si vous voulez. Donc cette carrière avec l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir être actif. Et Nairose active, les gars, vous savez très bien que moi sur YouTube, voilà, c'est hop. C'est comme une Kaji. Un jour elle est contente, un jour elle est pas contente. Un jour elle est contente. Ben moi c'est pareil. Un jour je fais des vidéos où je suis chaud. Après j'arrête. Je sais pas pourquoi les gars, la vérité, j'essaye d'être actif de fou, mais j'arrive pas. Les petites compétitions d'avant-saison, forcément les gars, vu qu'on n'a pas d'argent, on est l'OM, hein, c'est la dèche, on va se prendre à Lille. Moi je vois bien le Portugal, il y a des clubs qui sont un peu éclatés. Voilà, on va partir au Portugal, même si c'est pas celle qui rapporte le plus, il y avait des clubs éclatés, pas éclatés. J'articule pas les gars, faut vraiment que je m'entraîne à ça. Donc, on arrive les gars dans le vif du sujet les amis. Enfin, on est sur le menu carrière olympique de Marseille. Ça fait plaisir, les gars, de prendre son club en carrière. Donc, trophée champion, on connaît la vente des maillots, les gars. Ça, c'est très important, cette connerie, puisque ça va nous permettre de gagner de l'argent en vendant des maillots. Donc, tu vois, c'est un peu une espèce de marketing. C'est comme dans la vraie vie. Ça va te permettre de vraiment gagner pas mal d'argent. Grâce à ça, on ira les voir après les objectifs, les gars. Vous inquiétez pas pour ça. Information, on connaît tout ça, les gars. On connaît, c'est du blabla. Si vous mettez ça tous les FIFA, bordel de merde. Donc, comme je vous ai dit, on va aller voir les gars nos petits objectifs qu'on a. Par contre les gars, si vous voulez bien me dire dans l'espace commentaire, ça veut dire quoi le 80? Juste dites-moi ça dans les commentaires parce que j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. J'ai beau essayer de comprendre, comprends pas. Tout simplement, donc les gars, allez, sur le plan financier, 3 saisons, sur 3 saisons les gars, on doit augmenter la valeur du club de 50%. T'imagines un peu 50%. Ça veut dire qu'on doit multiplier par. Non, pas par deux, je suis con, mais on doit augmenter de 50%. Pourquoi tu me compliques la vie comme ça? Côté national, on doit finir en milieu de tableau. En coupe nationale, on doit atteindre les 8e de finale. Et sur le long terme, on doit se qualifier pour l'Europa League. Mais oh, voilà les gars. Et même FIFA, ils ont pas respecté l'OM. Ils nous ont mis des objectifs d'un mec qui vient de Ligue 2. Arrête, frère, on est l'OM, donne pas des objectifs comme ça. Bon, en même temps, moi, ça m'arrange. Mais non, nous, cette année, les gars, je vous le dis de suite, je vous regarde dans les yeux, enfin, je regarde ma... Ouais, bon, c'est bon. L'objectif cette saison, c'est de qualifier pour la Ligue des Champions, très clairement, et de gagner une coupe au moins. Frère, on est des dindes ou quoi, nous? C'est comment, là? Ah, hier, arrêtez de nous prendre pour des pédales. Succès continental, pas d'objectif, y'a la TIF. C'est quoi ça, mon frère? Arrête, rayonnement de la marque. On doit obtenir 20 millions
de revenus grâce à la vente des maillots. Donc ça, c'est bien. Et ça, ce qui m'intéresse plus particulièrement moi en tant que fan de Molker, le développement des jeunes, voilà, miser sur des jeunes pépites de ton centre de formation pour tout simplement les faire jouer dans l'effectif premier. Donc ça, je trouve que c'est assez sympa. Je vais essayer d'articuler. C'est assez sympa. Donc ouais, les objectifs sont plutôt bien, les amis. Donc je vais faire tout simplement, les gars, mon équipe type et mon équipe secondaire, et je vous retrouve de suite, les amis. Voilà, les gars, je vous présente mon équipe A. Pelé au cage, aïe aïe aïe, déjà c'est chaud. Défense centrale, Toria, Ubokan. Sur les côtés, on a Sakai et Bejimo. Milieu de terrain, Diarra, William Vainqueur. Numéro 10, Rémi Cabella. À gauche, Alessandrini. À droite, Florent Thauvin. Et en pointe, Bafi Chimbi, Gomis. Voilà, équipe qu'il faudra vraiment améliorer, notamment un bon milieu, parce que Vainqueur, voilà, on peut avoir mieux. Et surtout, les gars, améliorer sa défense. Et l'équipe B, qui est vraiment dégueulasse, mais la vie de ma mère, U17, maintenant, a un meilleur effectif que l'OM. J'abuse un peu, c'est vrai. Mais les gars, Pelé au cage, défense centrale, Rolando Rekic. À droite, Fanny. À gauche, Andonian, mon pote. Je veux pas parler, les gars. Milieu, Diaby, Machache, Kawi. Ça, c'est bien. Franchement, les gars, Machache, Kawi. Franchement, c'est des bons joueurs. À gauche, NG. À droite, Bounassar. Et en pointe, Leia Iseka. Donc, les gars, cette équipe B, il va falloir vraiment trouver du bon monde. Il va falloir que je recrute de bons joueurs. Donc, les gars, je vais mettre des joueurs en vente et je vous retrouve de suite. Donc, ça y est, les gars, j'ai mis les joueurs sur la liste de transfert. Diaby à vendre. Sarr à vendre. Rolando, vous connaissez déjà la réponse. Rekic à vendre. À prêter, Maxime Lopez, parce que c'est vraiment un très bon jeune. 18 ans, soit en deux général, il y a moyen qu'il progresse. En MC aussi, Zambo, Anguissa, voilà, envoyé sur la liste des prêts. Après, les gars, je peux pas vendre les autres. Il va falloir que j'achète d'abord et que je vende après, pour être sûr de ne pas me faire douiller et de pas, voilà, de pas avoir des joueurs qui n'ont pas de doublure, tout simplement, les amis. Donc, je tiens à préciser, les gars, je vais pas acheter de recrues dans cet épisode, tout simplement, voilà. Pourquoi ? C'est vous qui allez décider des recrues dans l'espace commentaire, les gars. Vous allez mettre dans les commentaires des joueurs à recruter pour cette carrière avec l'Olympique de Marseille. Je vais faire un match dans cet épisode. Les deux autres, on les fera après, tu vois, pour qu'on ait le temps vraiment de faire un bon mercato. Je vais faire les entraînements. Je vous retrouve de suite, les gars, dès que j'aurai sélectionné les joueurs. Voilà, les gars, vous pouvez voir que j'ai choisi d'entraîner Iseka, Thauvin, Machache, Doria et Clinton NG. Donc, évidemment, les gars, je vais les simuler, tout simplement, parce que voilà, les entraînements, les faire, ça sert un peu à rien. Et en plus, ça prend du temps sur la carrière. Donc, nous, on veut vraiment avancer. Allez, on simule, j'espère qu'on aura au moins des bonnes notes pour qu'il puisse progresser. Allez, montre-moi ça. Ok, donc on a un B, A, D, D, D. Ok, donc Thauvin, fidèle à lui-même, voilà, il a bien travaillé. On va simuler, les gars, jusqu'au match face. C'est quel club, ça? J'ai pas du tout regardé, c'était quel club? Alaves, ok. Les supporters du Barça, je crois que vous connaissez bien Alaves. Ils vous ont mis un peu une couille. Notre groupe, Sampdoria de Gênes, Deportivo Alaves et le Sporting Gijón. Donc on va aller faire le match, les gars. L'équipe, les gars, je vais envoyer l'équipe A, forcément l'équipe titulaire, l'équipe type, pour voir un peu ce que ça donne. Je vous retrouve dans le match, les amis. Allez, c'est parti, les gars. Objectif 3 points et proposer du beau jeu avec cette équipe de l'OM. Même ça va être très 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 compliqué, les amis, parce qu'on a vraiment un effectif qui est vraiment pas, faut se le dire, les gars. Cette année, il va falloir faire un bon mercato. Donc allez, les gars, c'est parti pour les meilleures actions du match. Première incursion offensive de la part d'Alaves. Les gars, attention, c'est une bonne équipe Alaves. Va falloir bien y jouer dans ce match. Allez, Gomis, ok, pourquoi pas. Sur Florent Thauvin, allez, on calme le jeu. William Vainqueur. Ah, on garde. Ah non, Thauvin, tranquille. Le nouveau Francesco Totti, calme-toi. Allez, pourquoi pas, Thauvin. Hop, Lasna Diarra. Hop, allez, Zinedine Machasse. Pour la Snadjara, Ah, dommage, c'était Rémi Cabella en plus. Je dis n'importe quoi, Machasse, moi. Allez, ok, Rémi. Allez, Florent Thauvin, il est passé, Florent Thauvin. Tu canardes. Oh, mais Florian, non, Flo, putain, tu casses les couilles, gros. Oh, les gars, c'est de trop fond, ça. Oh oui, les gars, on l'a vu, Florent Thauvin. Allez, aïe, Thauvin, les gars, elle est écrasée, elle a mis du temps, le joueur est lent, les gars, c'est incroyable, dommage. Ok, les gars, mi-temps dans ce match vraiment très, très, très pauvre, très triste. On n'arrive pas à se procurer d'occasion, mis à part, voilà, la balle piquée sur Florent Thauvin, mais les gars, le jeu est lent, Florent Thauvin est lent. Il n'a pas pu récupérer la balle à temps et plus vite, mais c'est pas grave, les gars, deuxième mi-temps, je vais essayer de proposer un meilleur jeu, une meilleure qualité de gameplay, parce que là, on n'arrive pas du tout à jouer, il faut vraiment, les gars, marquer.
au moins un but et partir avec les 3 points de ce match. Oh, allez, attention les gars, attention, faut vraiment vite le découper, zbubz bub. Parade de Yohan Pelé, parade de Yohan Pelé, ça fait plaisir. Allez, la petite balle piquée pour Romain. Allez Romain, allez Romain. Ah, ils n'ont même pas fait le blanc en plus. Choqué, déçu. La Snadjara. William Vainqueur. Le long shot, les gars. Allez, frérot. William Vainqueur, poteau. Eh oui, la frappe. Magnifique. 75e minute de jeu. Fallait contente. Première frappe du match. Je crois, les gars, c'est notre première frappe du match. Et enfin, on arrive à trouver les filets. Ça fait plaisir, les gars. 1-0 contre Alaves. Il va la rater, on est coincé avec Tovin. Allez hop, ça ressort directement sur la Snadjara. Il en redemande Vainqueur, il veut frapper encore. Allez Romain, le crochet. Le crochet de Romain Alessandrini, les gars. 2-0 mon poteau, 2-0. Romain Alessandrini, il a fait la diff. Crochet, Ronaldo chope. Après c'est vrai, il y a le boulet du gardien, mais ça passe quand même, 2-0 les gars. Olympique de Marseille. Putain, depuis tout à l'heure, les gars, je monte le maillot, je monte les cuissons, mais en fait, je crois que dans ma tête, j'ai le maillot de l'OM, en fait, j'ai le maillot de l'AC Milan. Voilà, les gars, fin du match, victoire avec l'Olympique de Marseille, premier match de la carrière. C'est bien de commencer par une victoire, ça met en confiance. Franchement, les gars, on l'a vu dans le match, Gomis a vraiment été catastrophique, très, très, très mauvais. J'arrive pas du tout à jouer avec Gomis, c'est incroyable, il faut vraiment un BU parce que NG et les ICK, je peux pas aussi, les gars, je peux vraiment pas, j'ai déjà testé, je peux vraiment pas. Tout à l'heure, les gars, j'ai vu cette information. Je n'ai pas cliqué, bizarrement. Là, je vais aller la voir tout simplement. Ok, la valeur du club continue à croître. Ok, selon la plus récente estimation, la valeur du club se situe aux alentours de 120 millions d'euros. Tu mens, on a été vendu à Franck Macourt pour 40 millions d'euros. Tu mens déjà. Soit une hausse significative par rapport à la valeur précédente qui était de 90 millions. C'est une excellente nouvelle pour les supporters et pour l'entraîneur, Monsieur Nairoz, car cela démontre une force sur le terrain et en dehors. Cela devrait générer des fonds supplémentaires pour attirer de meilleurs joueurs. Qui va attirer les meilleurs joueurs? C'est mes recruteurs. Qui sont mes recruteurs? C'est vous, les gars. Et je passe commentaire, il est fait pour ça. Proposez un maximum de joueurs. Viens me suivre sur Twitter, propose-moi un maximum de joueurs. Twitter dans la description, c'est iNairoz. Franchement, les gars, je compte vraiment sur vous pour que dans l'espace commentaire, vous bombardez, vous le spammez l'espace commentaire, vous dites on veut ci, ça, ça, ça. Gardien, attaquant, milieu, défenseur, même tout, les gars. Tout. Bref, faites cette vidéo, c'est un iRose, prenez soin de vous. Big up la famille.